près de 40 000 Tunisiens sont arrivés en Europe cette année. Près de 30 000 ont été interceptés par les gardes-côtes tunisiens. Des centaines d'autres sont morts ou portés disparus. La migration aujourd'hui en Tunisie, elle ne touche pas seulement les jeunes diplômés ou bien les chômeurs, ou bien elle touche tout le monde. Tous les Tunisiens sont des projets de migration et qui veulent partir. Il fuit la Tunisie. En Tunisie, les jeunes en ont assez de voir passer le temps sans se sentir dedans. Ils en ont assez de rester sur le quai, débarqués ou non embarqués. Ils ont la douloureuse impression de rater le train de leur vie, en n'ayant aucun train de vie. C'est la dépression continue. Ils en ont assez d'alterner entre paralysie et hypocrisie, en sachant pertinemment qu'il n'y a que l'hypocrisie pour vaincre l'hypocrisie, puisqu'il faut être encore plus hypocrite que les hypocrites pour survivre là où rien ne va plus. D'où la paralysie de tout un pays qui n'offre aucune porte de sortie, ni train, ni pain. N'ayant pas de quoi consommer chez eux, ils préfèrent se consumer ailleurs que chez eux. Comme ces oiseaux qui se cachent pour mourir un peu mieux. Ils en ont assez de tourner en rond aux portes d'eux-mêmes, en réalisant un peu plus chaque jour que tout revient au même. Ahlem et Elem, les bons et les mauvais rêves. À chaque fois que j'essaye de traduire leurs problèmes, je les trahis, parce qu'il est quasiment intraduisible. Un mal-être, mal vécu et mal perçu. Ce qui s'appelle aussi l'ennui. C'est la raison pour laquelle les plus jeunes s'enfuient, se jettent à la mer et renoncent à la terre de leur père. Ils risquent leur vie en se disant qu'ailleurs, il y a peut-être le jour au bout de la nuit. Et ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, ceux qui tentent leur chance pour mettre un terme à leur désespérance. La désespérance de Tunis. Une vie sans vie. Il lui préfère encore une mort subite et sans suite. Et sans oublier la liberté qui se situe, soi-disant, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est une promesse qui ne sera, hélas, pas tenue. Même si c'est celle
qu'ils ont le plus retenu. La liberté et le piège que le monde dit libre n'a cessé de leur tendre, au point qu'ils ont fini par lui prendre la corde avec laquelle ils vont se pendre. Un travail, un bail et un rail. Un travail, un bail et un rail. Une poudre aux yeux destinée à leur faire oublier leur Dieu. Et le piège s'est refermé sur eux, à travers le petit écran de leur téléphone mobile. Ils sont tous devenus complètement serviles. زين أيامي وكبر أحلامي وبويا توحشت الليل وريحة ياسمين توحشت الليل وريحة ياسمين زنق الطارق واي الحس ودوا جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت الليل والكرمة كيف تميل